Très heureux de vous retrouver ce matin encore sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Gérard Ouessant et l'homme à Tissoukbe et Sylvestre Béni. Nous allons parler de beaucoup de choses. On parlera politique puisque nous connaissons désormais la date des élections législatives et régionales. 13, samedi 13 avril prochain. Le gouvernement avait pourtant dit qu'elles auront lieu avant la fin du troisième trimestre. On est au-delà. La parole du patron, on va la questionner. Alors, est-ce finalement une élection de surprise? C'est entre autres questions que je poserai à mes confrères. On pourra aussi aborder l'épineuse question de répartition des sièges. Une discrimination crie l'opposition togolaise. On reviendra largement dessus. On va parler du football, puisque vous le savez, hier, la Côte d'Ivoire trotte donc au sommet de l'Afrique pour avoir battu le Nigeria en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 2-1, ça a été 3 semaines de compétition inédite où il n'y a pas eu tellement de faibles équipes. Hein. Des équipes ou des nations ont travaillé. Et le cas du Togo, on va en parler, si vous voulez, comme l'année dernière avec Gérard Ouessant. Bienvenue sur la radio. Seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Bonjour, mon cher Gérard Ouessant. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être là, ça va? Tout va bien? Ben oui, tout va bien et c'est d'ailleurs un plaisir de me retrouver ici. Hein. Nous sommes très heureux à chaque fois de vous accueillir sur la radio. D'avoir la climatisation, ça fait du bien. C'est pas sûr que j'en ai chez moi. Il fait très chaud. Ah ouais? L'ambiance, ça me plaît bien avec les deux confrères. Hello, mes Sylvestre. Vous allez forcément vous réécouter le soir. Hein. C'est de bons copains, quoi. Bonjour, Sylvestre Béni. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que votre micro a un petit souci. Un souci. C'est pour Elom? Bonjour, Elom. Bonjour. Alors, on va devoir marquer une courte pause parce qu'il faut qu'on va régler tout ça là. Hein, parce que là, je ne veux pas avoir des grisailles dans mes oreilles. On règle tout ça, on revient. Retour donc en studio, on va parler d'abord de football avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée hier soir sur la belle victoire des Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont triomphé donc des Super Eagles du Nigeria 2-1. On va dire, Sylvestre, en somme, on a vécu une très belle compétition, un très beau tournoi. Oui, Eric, on est inscrit à votre église au Bataf Nigeria. Voilà, c'est World Dance de Côte d'Ivoire. Quoi, vous êtes surpris, non? Non, je sais. C'est la carte des surprises, voilà. C'est la surprise du pote. Non, écoutez, nous avons eu quand même une très bonne compétition. Et donc, nous avions
il y a quand même donc de la surprise jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Puisque au début donc du tournoi, personne donc ne vendait cher la peau des éléphants des Tachyderm. Et puisque même au deux tours, ils en ont eu 4-0. Donc, face à la Guinée équatoriale. Face à la Guinée équatoriale, donc la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui porte donc son troisième étoile avec fierté. Je crois que c'est tout beau. Et surtout aussi la compétition. En dépit donc de la billetterie, ça il faut le dire parce qu'il y a eu tellement donc de soucis, beaucoup en ont parlé, il y a eu tellement donc de soucis avec la billetterie. Mais quand on parle donc de stade, oui, le stade, il faut en parler parce que donc, vous voyez quand même tous les stades donc de la Côte d'Ivoire, on peut dire waouh quoi, ils peuvent même organiser un mondial. Je le disais il y a quelques jours parce que toutes les infrastructures sont en place, oui, des stades d'entraînement et tout. Donc, bravo quand même à cette équipe. Maintenant, on peut sur le jeu produit hier donc par le Nigeria. On peut dire à chaque fois que la Côte d'Ivoire accorde donc un grand, il n'y a plus de jeu quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression vu avec le Sénégal, on a vu la même chose. Oui. Le Sénégal qui a quand même eu 9-9 et maintenant avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui est crispé. On a vu le Nigeria qui est également crispé hier parce que le midi était pratiquement à la rue, c'est le et Kézi et puis l'ancien Lançois, comment vous est-ce que vous l'appelez déjà? Oui, c'est Fofana qui a véritablement fait le jeu. Oui, avec le premier but, on s'est dit voilà quoi, c'est presque plié, mais hier non, ce n'est pas quand même volé, hein, ce n'est pas quand même sur l'ensemble donc, du match. Ce n'est pas quand même volé avec la France. On dirait que les Ivoiriens réservaient le meilleur pour la fin. Déjà à fin donc le premier mi-temps avec la possession la Côte d'Ivoire qui était déjà à 64 et 37 pour le Nigeria. Ben je me dis hier tout était beau pour qu'ils finissent donc en beauté, encore que déjà avant donc le début du match le chef de l'État leur a dit rendez ce jour un jour de fête. Oui. Donc, ils l'ont fait avec fierté. On déplore peut-être, après la victoire, tout ce qu'on avait vu hier avec certains véhicules qui ont fait des tours et tout ça, quelques accidents et tout. Bon, ça ne manque pas, surtout au niveau des Africains où, en fait, pas à la démesure, pas avec la raison et tout. Mais voilà, quoi, c'est tout un beau. Le Togo est bien représenté par la notre légende. Allez, on va parler tout à l'heure. Sinon, tout est bien, tout qui finit bien avec leur troisième. C'est pas vrai. Je ne sais pas si Gérard a eu le temps de suivre le match, la finale hier, hein, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ça aurait été un péché si je ne le faisais pas. Ah, d'accord. Surtout que je sais qu'il y aura émission ce lundi. Non, en fait, c'était bon. Moi, j'ai vu plusieurs matchs quand même. Et la leçon à tirer, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes, comme vous l'avez dit. Chaque équipe était capable de remporter cette canne-là. Quand vous voyez comment les gens jouent, comment le football est devenu très, très, très scientifique. Bon, moi, ce qui me désole un peu, c'est le Togo. La place du Togo dans tout ça, là, je me pose des questions. Quand les gens se réjouissent, on crie et tout ça, et notre pays, au lieu d'être triste, on est plutôt content de voir les autres gagner. C'est-à-dire que ça devient un peu... J'ai vu sur les réseaux hier, j'ai pas besoin de vérifier, des drapeaux togolais, des togolais qui sont déplacés en maillot des éperviers et avec drapeaux togolais. C'est vrai. Hier à la finale. Oui, hier à la finale. Allomé. Non. Sur certaines images. Abidjan. Oui. Abidjan. Sur ces images, on a vu ça. Bon, c'est possible, mais beaucoup se sentent, sont solidaires des Ivoiriens, des Ivoiriens comme les Libanais, les résidents, les Libanais qui sont à Abidjan. Bon, mais moi, pour le Togo, je suis très pessimiste et très triste. Hein. Et ce matin, je voyais sur les réseaux sociaux un peu l'intérêt, comme Sylvestre l'a dit, les stades ivoiriens, c'est terrible. C'est fascinant, tout simplement. Oui. Et quand j'ai quitté la maison pour venir ici, je suis à Kengé, hein. Oui. Je suis passé devant notre stade, ben, j'ai failli en pleurer. Non, quand je vois ce stade-là... N'exagérons même pas. Non, je ne suis pas en train d'exagérer. Quand je vois ce stade coincé entre le marché et puis les deux petites rues-là, il n'y a même pas de place pour garer les voitures. Quand il y a match, on vous détourne dans des... Il n'y a même pas de déviation dans des ruelles, pas possible, avec la poussière, la police qui agresse les gens. Je me dis, sincèrement, le Togo est en train d'accuser un retard que nous ne sommes pas en train de voir, parce que les Ivoiriens, n'oubliez pas qu'ils viennent de se relever à peine d'une guerre civile, et pourtant,
et avec une croissance à deux chiffres et tout ça là, et avec quand même beaucoup d'optimisme. Alors qu'au Togo, où est l'optimisme? Les gens voient, on voit vraiment, je sais pas, hein. Et regardez le stade hier, le stade était orange, hein. C'était un stade orange. Et moi, si c'était notre équipe, j'aurais de bonnes raisons de perdre. Parce que tout le monde, j'aurais l'impression que le monde entier est contre moi. Vous voyez un peu. Et donc, ben, ils ont perdu à juste titre. Parce que moi, ce qui est sûr, le Nigeria n'a pas bien joué. Ils n'ont pas joué un jeu de grands joueurs. Hein. C'était un peu comme c'était l'entraînement, bien c'était le premier tour. Et voilà quoi. On n'a pas vu. Ce qu'on tentait même à un moment donné de défendre son malheur quand on a. C'était que. Et ne se sentait plus capable de marquer. Et donc c'était des signes clairs. Mais le football étant le football, on a vu des matchs beaucoup plus corsés que ça. Mais vous jouez très bien, mais vous n'arrivez jamais à marquer. Et donc il y a un côté chance et puis un côté aussi technique, un côté compétence. On va parler de tout à l'heure parce que c'est entre autres sujet en réalité qui nous intéresse quand on fait revenir le cas de la Côte d'Ivoire. Quand cet auditeur, la Côte d'Ivoire, toi, sa résurrection, la rentrée. À l'air, et surtout le petit de couloir gauche, Simon Tigre, qui a fait de misère à toutes les équipes adverses. Bravo aux Ivoiriens, aux autorités, donc il dit, par exemple, la canne est finie. Que deviendront ces stades? Vont-ils accorder les mêmes entretiens à ces stades? Est-ce qu'elles seront délaissées comme on l'a vu tout d'abord ou après la canne, ces stades sont tombés en ruine? C'est vrai qu'il y avait ce cas-là au Gabon, mais on imagine mal que ce soit, que ça se produise. Votre avis sur le tour en ce moment? On va parler de tout. Félicitations à Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est la plus belle canne à ce jour où on est vécu. Parce que là, beaucoup de séances dans le stade, dans le stade, tout ce qu'on va regarder à la télé, même les commentaires après match et tout. Là, on est véritablement en Côte d'Ivoire, en termes de public, comme on l'a dit, le pays de l'ambiance. Une canne très prolifique, la plus belle canne, 118 buts au total. Je pense que c'est la canne la plus prolifique de l'histoire du football, avec aussi des équipes qui n'ont pas démérité. C'est la compétition la plus relevée, parce qu'une première fois, on joue une canne avec 4 équipes. Puis à la fin, on constate que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et aussi, féliciter le président, l'ensemble du gouvernement, le comité de l'organisation pour cette beau stade. Parce que voilà, on a quand même de jolis stades. Ça fait à peu près de 600 milliards. Voilà, c'est investi. C'est fou quand même. Mais je crois quand même qu'ils doivent avoir entré dans le fond de 50 ou 60% parce que. Quand vous voyez tous les têtes nigériens qui ont atterri à Côte d'Ivoire en finale, quand on vous dit combien on perd les têtes privées sur le tarmac de l'aéroport, frais journalier, vous comprenez que bon, c'est pas des cacahuètes. Donc en réalité, je crois que c'est un pays qui méritait cette victoire au finish. Parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait quand même de la tension, il y avait des pleurs, des larmes, la déception, et au finish. Côte d'Ivoire a remporté cette canne. Je crois quand même qu'il mérite cette canne. Moi, j'ai eu deux grosses émotions hier. La première, la deuxième, je vais la réserver parce qu'on est en sujet. La première, c'est Guy Demel. Guy Demel, vraiment, Jean-Baptiste. Moi, Guy Demel, il est bien la canne pour consultant de Canal. Voilà, consultant de Canal, devenu sélectionneur de la Côte d'Ivoire par la force des choses. Après la démission du sélectionneur titulaire de la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gassé. Et donc, il a été appelé au forceps, au pied levé. Et finalement, il a porté chance à cette équipe avec son ancien coéquipier, Ebis Faye, qui, quand même, mérite aujourd'hui sa place en tant que sélectionneur national de cette équipe. Et ça, c'est ce qu'on verra si franchement il va être titularisé, ne croyez pas. Non, moi, je pense plutôt que c'est l'ancien entraîneur qu'il faut ramener. C'est-à-dire que dans tout le parcours, il y a eu un seul déboire et on dit, mais vous êtes mauvais. Non, quand même, c'est d'abord. Parce que tu vois, on joue le tous les 4 buts à 0. C'est l'addition. C'est l'addition. Il y a des pages de jeu. Et puis, il y a toujours des critiques pour casser depuis avant.
la compétition. Ce que moi je pense honnêtement, c'est que quelqu'un qui a formé un élève et tellement qu'il a pu avoir son CEP débarrassé, il a formé ce PSEP de jusqu'à 7h et là il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Après, il a pu continuer jusqu'à son bac. La base a été faite. Moi, je pense quand même que cet entraîneur-là, il ne démérite pas. Il faut vraiment revoir son cas. Ce n'est pas parce qu'on est un très bon chauffeur. On a fait un accident pour une fois, vous nous dites pas mieux, vous dites vous voulez tirer, alors que vous avez toujours bien conduit de façon exemplaire. Bon, moi, c'est mon opinion. Oui, là, je partage le poste là, lui, de Gilbert. Oui, c'est lui qui a fait quand même. C'est lui qui a sélectionné les joueurs. Et j'ai écouté Cassé sur une émission où il disait que quand il avait pris donc Sébastien à l'aile et le jeune à la digue là, donc peut-être les Ivoiriens vont le critiquer. Ils n'ont pas donc le temps de carrer, donc d'être à ce niveau-là. Mais c'est les deux qui ont délivré la Côte d'Ivoire hier. Puisque c'est le jeune qui a fait la promesse, et c'est peut-être le plus connu. Et elle est donc appliquée. Donc c'est les deux qui ont délivré la Côte d'Ivoire hier. Mais c'est les deux, c'est sur ces deux-là qu'on a quand même critiqué Gassé. Ouais, donc c'est lui, en fait, la base hier. Quoi. Maintenant, avec les 4-0, je me dis qu'il y a. Tout est joué au niveau du mental, c'est psychologique. Avec ce déclic psychologique, vous avez vu que la Côte d'Ivoire joue bien à l'immigré. Et donc, vous avez vu avec le Mali, le Sénégal et tout ça, ils jouent à l'immigré, surtout avec les 85e, 88e, où ils marquent toujours comme. Voilà, du Mali, voyez-vous. Donc, je crois que la base est quand même faite. Et Faye a su donc, profiter donc, du rythme des gens qui sont maintenant conscients de l'enjeu. Et qui peut donc nous le maillot pour le pays, en fait. Ah oui, c'est aussi ça la vie des fois. Ouais. Oui, bon, jamais, c'est aussi ça le foot. Le foot, c'est réservé des surprises. À tout moment, vous voulez avoir ces surprises-là. C'est vrai que l'équipe a été constituée, on a sélectionné les joueurs. Mais à la fin, on a constaté qu'ils ne portaient pas véritablement la chance à cette équipe ainsi. Je ne dirais pas, mais aussi avec quelques erreurs tactiques. En plus de ça, On va voir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous écoutez? Je vous le souhaite. Très bien. Merci quand même d'être en direct avec nous depuis donc à Abidjan. Ben, c'est vrai qu'hier on avait eu une très belle finale. L'ambiance après le match, on imagine à peu près. On a beaucoup de choses quand même sur nos petits écrans, bon, là, sur TikTok, Facebook, toute la nuit. Quelle est l'ambiance actuellement à Abidjan? Non, il faut dire que l'ambiance, c'est une ambiance actuellement, grande ambiance à Abidjan actuellement. Toute la ville a veillé. Même à 2h, 3h du matin, il y avait une grande ambiance dans toute la ville d'Abidjan. Actuellement, on se prépare pour d'abord assister à la parade prévue cette soirée par rapport à la victoire des enfants. Donc, il y a une parade pour ça marche pas. Vous me recevez? Oui, allez-y, c'est vrai que ça va, si il y a à peu près, mais allez-y. Ça marche pas. Robin, est-ce que vous êtes là? Robin? Ça marche pas. Oui, je vous reçois. Ah, d'accord, très bien. Alors, vous dites qu'il y a une parade qui est prévue ce soir à Abidjan. Oui, effectivement, il y a une parade qui est prévue. Il y a déjà un itinéraire qui est déjà. Et la coupe sera présentée sur la plaine vidéo de Tad Félix sur le football d'Abidjan, où quand même le public aura l'occasion de pouvoir regarder les joueurs parader, ou quand même pouvoir fêter avec l'ensemble des joueurs
Déjà, même ce matin, il y a toujours des nouveaux éléments que vous pouvez toujours entendre dans la vie. Parce que c'est assez exceptionnel pour ce peuple qui vit de pouvoir vraiment remporter cette carte. Je pense que c'est une très bonne chose pour le pays. Très bien. Bon, on a passé le pas quand même au top ici. On va vous laisser. Merci en tout cas pour avoir assuré dans ce direct. Est-ce que la journée d'aujourd'hui a terminé? Oui, je crois bien que la journée d'aujourd'hui a terminé, puisque nous avons eu des difficultés pour hier. Après le match, nous avons eu des difficultés. Il faut dire que le bus qui transportait le journaliste est arrivé au Média Center à 13h à 2h du matin. Le temps de trouver quand même un moyen pour pouvoir allier nos différentes communes, c'était un peu compliqué. Mais je pense que selon l'information que nous avons eue, la journée est finie et les gens s'apprêtent pour le moment à pouvoir se préparer pour pouvoir suivre la parade avec un itinéraire bien défini. Je pense que la fête va continuer après cette parade et cette présentation de la cour. Je pense que même si ils disent que ce soit une journée finie ou non, ils sont habitués à la donc, attendez-vous à ce que. Attendez-vous à ce que la fête continue mardi, mercredi, jeudi, la porteuse peut-être sera le dimanche. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, on s'est interrogé aussi en studio de l'avenir de Emers Faye. Achoué qui devient la principale et qui remporte un trophée, son premier trophée en tant que sélectionneur Dieudonné. Enfin, vous comprenez? Oui, c'est le sélectionneur de l'unité. Je pense que j'attendais, on disait que c'est quand même le petit qui a joué à travers, c'est vrai que. Dans cette célébration, il célèbre comme un ancien avec sa chaîne de carte. Alors que actuellement, nous sommes à coup de marteau, mais il ne continue pas à trouver comme un dieu de la vieille. Je pense qu'à peu près, et comme le disaient certains, et peut-être que le discours est mieux passé, ils ont peut-être parlé de bouche à la place de vous savez que. Vous savez que la manière de communiquer des techniciens un peu plus expatriés, un peu plus technique et plus. Mais quand on parle, c'est-à-dire que la discussion passe comme si vous étiez en train de jouer entre amis. Je pense que cette. Quand même, il a apporté beaucoup de choses parce qu'il a amené. Et là, Cyril, qui vraiment a beaucoup travaillé. Donc, il a quand même fait quelques changements. Et vraiment, quand il ouvre les changements, je pense que la porte des buts, c'est vraiment à saluer. Et ça fait déjà un deuxième entraîneur local qui gagne cette coupe pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que Guy Demet, qui était dans la tribune qui commentait le match, a intégré cette équipe est le préparateur physique de la CEP d'Abidjan. Je pense que c'est une très bonne chose pour cette équipe. Vraiment, ça a salué, ils ont vraiment travaillé. Très bien. Ben, écoutez, on va vous laisser. Vous allez trouver un moyen pour nous regagner rapidement à l'OBA et pour pouvoir analyser nous, parce que là, ça fait la troisième fois qu'on y débat. Il va y avoir une quatrième compétition à jouer pour aller au Maroc. Et ça, il faut qu'on y ait, qu'on y soit véritablement. Je voulais vous écouter, bien sûr, Adebayorchi. Oui, Adebayorchi qui est sorti avec la Coupe d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse dire que c'est une star du Togolais qui a quand même porté cette coupe. J'avais qu'il fait partie de cette décennie de genre de Maroc. Et vraiment partout il passait, il a été applaudi hier même au stade, il a été applaudi. Je pense que nous avons quand même eu la chance de s'être rencontrés de le rencontrer lors du match Mozambique Ghana. Je crois que le troisième match. Oui, pour échanger avec lui. Je pense que sa présence là est venue sur le terrain qui quand même attendait le nom.
Je pense que c'est une fierté. Je pense quand même que, comme vous l'avez dit, il y a eu une délégation togolaise de première, puisque les 54 présidents de fédération ont été invités et selon ce que nous avons comme information, tous étaient togolais, dont le président de la fédération togolaise de football togolais. Je pense qu'ils vont vraiment s'inspirer de ce qui a été fait du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils vont appliquer cela à eux. Je demande si vous êtes vraiment sérieux. Allez, merci beaucoup et bon retour à demain. Merci, on continue la fête, donc bonne émission. Oui, amusez-vous bien et gardez en tête que vous devez rentrer à la maison. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on va peut-être finir sur le cas du Togo. Le Togo qui n'a pas été à la CAN. Mais quand on voit tout ça, l'un des que vous vous rappelez, on disait que c'est de nous qui voulait, on ressentait notre plaisir à voir les autres jouer, gagner. Et on en est fiers, et on en est encore là aujourd'hui, mais attendez, là, il faut qu'on va la gagner. C'est ma deuxième grande émotion, c'est celle que j'ai vue avec l'image de Cheikh Manuel Adebayor. Le trophée de la CAN 2023 qu'il a déposé sur le support, et puis il est parti. Moi, franchement, c'est place à toutes les émotions qu'on va ressentir en tant que meilleur attaquant international entre 2006 et 2008. Un joueur africain, avec tout ce que vous représentez comme coach du football, et voir votre pays trois fois successivement sans la CAF, ça fait mal. Et quelque part, la CAF a honoré en lui remettant ce trophée pour qu'il puisse le porter. Et je crois vraiment que c'est un message qu'on envoie au Togo. Parce que là, vous êtes avec vos anciens joueurs, vos anciens coéquipiers, les Diouf, les Mamadou Niang, les Samuel Eto'o, René Chedou, et Kalilou Fadiga, et même toutes ces personnes, même sans les autres Kalilou. Voilà, donc Kalilou, Zénio Koucha, et vous avez toutes ces personnes autour de vous, dont les pays participent à toutes les éditions de la CAN et puis jouent trois fois successivement. Ça fait 6 ans. Et quand même, je crois qu'à un moment donné, quand on va parler des nations qui font du foot, il va falloir que bon, vous ne pouvez plus parler parce que ça fait mal. Et tout ça aujourd'hui, il faut qu'on fasse. Il l'a dit plusieurs fois. Oui, il l'a dit plusieurs fois. Et moi, j'ai toujours dit, et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en réalité, il faut donner à Emmanuel Adebayor sa place en sélection nationale. Et je ne pense pas que le poste de sélectionneur soit quand même. Un bon poste, vous comprenez, vu la carrière de l'homme et la façon dont il réagit, parce que le sélectionneur, c'est quelqu'un qui ne doit pas faire avec les émotions, qui doit être au-dessus de la mêlée. Mais Adebayor, au-delà de tout, il est à sa place, que ce soit aux côtés de la Fédération Togolaise de football, ou quelque part dans le monde, je crois quand même qu'il a beaucoup à donner à cette équipe. Et je l'ai déjà plusieurs fois, je crois, réclamer ça aussi. Oui, contribuer, oui, participer, n'est-ce pas? Je crois qu'on ne peut pas éteindre cette star, on ne peut pas éteindre cette lumière. Je crois qu'à un moment donné, il faut se regarder dans la glace. Il faut se parler, il faut se faire confiance. Ce qui détruit le football, ce qui nous détruit dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas. C'est que quelque part, on se dit que bon, si c'est l'autre, qui va être le patron, moi je préfère ne pas travailler pour lui, je préfère lui mettre les bâtons dans la roue. On ne veut pas travailler en symbiose, on veut toujours voir dans l'autre quelque chose de mauvais. On est trop dans la défiance, vous comprenez? On est trop dans la délation, dans la dénonciation, et puis dans la destruction. Dans la destruction de ce que l'autre est en train de faire de bien. Et ça nous a détruit pendant tout ce temps. Ça a détruit notre football. Et aujourd'hui, on en est là à regarder nos stars en train de porter des trophées de la CAN. Et moi, j'ai une grosse émotion. Il y avait la place de Emmanuel Adebayor. Parce que, au-delà de tout, je suis togolais. Je suis fier de l'être. Et je ne peux pas échanger mon drapeau, ma nationalité contre aucune autre. Et s'il va falloir construire, on construit ensemble. On coule ensemble, on bâtit ensemble. Et hier, franchement, je crois qu'on doit quand même se poser des questions. Si en 2025, on ne se remet pas à la CAN au Maroc, il va falloir que véritablement on se pose des bonnes questions. Si on doit redistribuer les cartes, si on doit refaire notre football, si on doit suspendre les gens, on doit les sanctionner, je crois qu'il faut prendre une décision. Ah oui, en tout cas, de toute façon, si on veut de la CAN 2025 au Maroc, c'est ici et maintenant qu'il faut décider ça. C'est maintenant qu'on reçoit la. Je crois que c'est. Parce que pour le coup, de temps de marque. Il faut changer de mentalité. Le football togolais est tombé dans les articles de jour.
Moi, je le dis, je vais vous faire passer historique, CAF 2007, où un Togolais est allé dire à la CAF qu'un autre Togolais a triché pour que son pays puisse gagner. C'était le jour dont où je venais. L'affaire Tata aussi. Tata aussi, et le juge Attili et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que le Togolais a dit à la CAF qu'un Togolais a triché pour que son pays puisse passer. C'est le seul jour où je me dis que finalement, je n'ai pas de football. Je ne dis pas que il faut cautionner le mal. Je ne dis pas qu'il faut cautionner le mal. Mais quand le Togolais a été dit pour que son pays soit sanctionné, là, je me dis que c'est ce jour-là où nous avons perdu ce patriotisme-là. Et c'est à partir de ce jour-là que la dégringolade de football togolais a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, on a eu une élection où le premier vice-président refusait donc de serrer la main à son président. Il vient à peine d'être élu. C'est-à-dire que les gens sont donc dans la logique du moi seul suffit. C'est-à-dire, sans moi, rien d'autre. Et nous en sommes là jusqu'à aujourd'hui. C'est bien que ça déteint sur le football. Et celui qui a eu quand même toute la carrière autour de lui pendant de 8 ans. De mandat. Au moins, lui, il a eu quand même une académie autour de lui. Mais il n'a pas su quand même qualifier le ministre parce que pour une carte. Et là, on a reconnu les seuls. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelqu'un qui disait la dernière fois que c'était comme si une insulte pour les Togolais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là et qui ne fait pas assez d'efforts, mais c'est lui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour faire mieux que lui. Donc il n'est que le seul. Et le football togolais en partie. Mais le hic, c'est que, au niveau également des gouvernements, ça je le dis, au niveau des gouvernements, on ne voit pas cette volonté-là de faire émerger le football togolais. Tout ce qu'on a vu à Côte d'Ivoire la dernière fois, c'est parce qu'il y a une volonté politique. L'État a mis les moyens. Si bien que même le ministre, c'est le premier ministre qui fait office encore de ministre des Sports. C'est-à-dire qu'ils ont mis donc la barre haut. Ils ont pris cela comme une priorité du gouvernement. Et ils l'ont fait ça aussi. Mais ici, je l'ai dit la dernière fois, à un moment donné, les Togolais se sont dit, mais l'entraîneur de sélection qui est là, ça fait des années qu'il n'arrive pas, qu'il ne fait que chuter donc le Togolais de classement FIFA. Mais il est temps donc. Mais tout cet entraîneur dehors, on a cassé les Togolais qui l'ont dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même volonté. Les gens sont sortis plus une fois. Mais mettez-le dehors parce qu'on ne fait que reculer. Mais ils ont été gazés. Donc ça veut dire qu'il y a tellement d'autres choses qui font ombrage à notre et à l'émergence de football togolais. Si bien que, moi je souhaite, je ne suis pas gazé de mauvaise augure, mais je souhaite que je le dise. Si ça reste à l'état, le mal rencontre les autres à la télé. Non, écoutez, parce qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de déclic. Est-ce que depuis les guerres, depuis le temps, on s'en va totalement, c'est pas mal. Oui, il n'y a pas de déclic, il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous prouve que demain sera meilleur? Qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous prouve? Il n'y a rien. On joue la canne, et au Togo, on continue le championnat. Vous voyez un peu, on joue la canne. Et au Togo, on continue le championnat. De toute façon, on n'est pas qualifié pour la canne, du coup. C'est une belle peine également pour certains quand même de s'identifier, de voir en vrai ce qui s'est fait à l'heure de mieux. Puisque les personnes jouent en soi, là, donc du coup, ça va plus. Bon, voilà, c'est adapté. Alors, il y en a d'autres qui disent, Adebayor mérite sa place à la tête de la fédération pour le mouvement. Beaucoup de choses vont changer, vous verrez. Apparemment, il y en a plus d'informations que nous. Et si jamais le Togo se qualifie, plus pour la prochaine édition de la CAN, nous irons nous-mêmes déposer à couvrir la tête de la fédération. La démission du coach ivoirien a permis aux Ivoiriens de gagner la finale. Pourquoi Akouri ne peut pas démissionner pour qu'on voit clair, se demande à notre auditeur, il y a ce que nous dit. Attendez, il dit un bon panafricain, on veut plutôt que vous défendez le coach africain et non ramener l'ancien. Est-ce que Emers a failli à réaliser un cas d'école? On ne veut plus des clonerois, leurs semblables chez nous. Dis donc, tiens. Non, il n'y a pas de choses à dire. Moi, je suis très, très, très pessimiste.
Je ne pense pas que la suite. Ouais, je pense que le Togo va faire des merveilles. Enfin, c'est possible que le Togo soit qualifié dans les années à venir, mais ce sera toujours la même chose. Ce sera le fiasco en fin de compte. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir des joueurs talentueux, des joueurs qui soient très marqués à l'âge de 20, mais quand il n'y a pas l'accompagnement, ils vont faire quoi? C'est comme un élève qui peut bien réussir à son bac, mais autour de lui, rien ne marche. C'est-à-dire que cet élève-là, il a la chance d'avoir un père qui, chaque fois qu'il arrive à la maison vers 18h, il fait la musique toute la nuit. Donc l'enfant ne peut pas apprendre. Il a pour vouloir apprendre, mais il ne peut pas étudier. C'est ça le problème du Togo aussi. Hein. C'est-à-dire que nous pensons qu'on peut faire des choses en dehors de la liberté. C'est-à-dire que les hommes sont créatifs et bons que quand ils ont la liberté. Mais quand on les enferme à la cage, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer? Vous ne connaissez pas la liberté au Togo, vous pouvez faire le foot. Pas la liberté. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous parlais du stade de Kégué tout à l'heure. Ça fait à peu près 4 mois qu'on est en train de mettre des gazons autour du stade. Allez voir le tas de gazons. C'est terrible. C'est un peu comme les cheveux de... Je ne vais pas le dire comme ça. Je dis du plus mal. C'est crépus. C'est espacé, c'est mort. Les gazons sont à moins 40-45% morts. Et je suis sûr que malgré ça, c'est de l'argent qui s'en va là. Les choses ont été financées. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas de gazon. Ça ne marche pas. Et moi, en tant que journaliste, j'arrivais, je réfléchissais, mais est-ce qu'il faut que j'écrive ça? Si j'écris ça, quelqu'un aura l'idée géniale de se plaindre contre moi et j'irai au script. Je vais passer des jours là-bas. C'est comme ça. On a tous éduqué. C'est comme ça qu'on a tout. On nous a mis dans un sac. Et quand il n'y a pas la liberté, normalement, tu vas être capable de dénoncer ça. Et beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas. Je fais parce que je suis sous la protection de la CFM. C'est comme ça. Donc, quand on est implicadé, quand on nous empêche de dire les choses, quand on nous empêche de, dans tous les compartiments de la vie, d'être libre. Mais là, on parle de foot. Mais là, il y a des choses. Le monde commence par la présence. Il joue, on gagne, on passe, il gagne pas. Là, vous pensez que quelqu'un qui joue en buvant du biowata et quelqu'un qui joue en buvant de l'eau minérale en bon étouffant avec tous les sels minéraux, tout, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Quelqu'un qui joue sur du bon gazon et l'autre qui joue sur du gazon sauvage, c'est pas la même chose. L'environnement du stade de Kégué, c'est pas dire. Je vous l'ai dit, le marché à côté, tout, ce n'est pas ça. Et donc, moi, je ne suis pas journaliste sportif, mais j'imagine qu'il y a plein de couacs dans le sport togolais, le sport togolais, qui empêchent les joueurs d'évoluer. Par exemple, les championnats. Combien de championnats jouent au Togo? Pendant que d'autres, ils s'en vont, ils descendent juste au championnat scolaire même. Mais personne n'a le droit de dire, parce que chacun veut être dans la bonne grâce, mais. Voilà quoi. Je ne veux pas dire du régime, sinon on va dire que je parle de politique. Hier, j'allais à Tibi, je vois le poste de police aux couleurs du Nil. Vous voyez? Donc, c'est un peu un truc qui. Moi, je ne pense pas que le chef de l'État a besoin de tout ça. Les gens font tellement de zèle, tellement de choses là, tellement que nous, les citoyens, finalement, ben, nous sommes en train de tout perdre. Ça, c'est ce qui est dommage. Mais pour dire un mot de chez lui, moi, je pense que. Ce n'est pas au Togolais de changer. Il appartient à la CIA des bailleurs de changer lui. Parce que, incontestablement, ce monsieur, je l'aime bien, il manque de discipline. Je l'aime bien, c'est pratiquement mon idole. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il s'est battu tout seul. Il s'est fait tout seul et il vit pour lui. Mais à un moment donné, il doit comprendre qu'il ne peut pas vivre seulement pour lui seul. Mais il faut qu'il sacrifie une partie de sa liberté mais pour pouvoir être plus utile à la société. Ça, je crois qu'il n'a pas encore compris cela. Ça veut dire que parfois, nous avons ce qu'on appelle un comportement de rôle. Je voudrais bien danser en public, mais parce que je suis président de la République, là, je ne danse pas. Alors que, mais, dans les gens, ça me démange, je veux bien. Mais voilà, donc lui, il pense que, et il s'est fait tout seul, donc il a le droit d'avoir une liberté non limite. Ça, tant qu'il n'aura pas renoncé à ça, ce serait difficile de lui confier des responsabilités. Moi, je voudrais qu'il soit président d'un club qui brille d'abord. Si elle réussit à ça, on va lui confier la fédération. Déjà, je ne suis pas sûr que
tous ceux qui sont à la fédération, déjà avec un club et qui est brillé, non, de devenir à la fédération. Non, plus quand vous êtes sur le comportement, c'est comme ça. Tu pourrais qu'on lui fasse des examens. Non, jamais. C'est écrit nulle part. Non, je parle de côté discipline. Par exemple, oui, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il a été colonel, ça suppose qu'on lui a quand même inculqué certaines disciplines. Parce que dans l'armée, c'est ça, oui. Donc, je voudrais que Benji aussi. Bon, se soumettre à une certaine discipline qui nous montre que lui-même est discipliné, qu'il est capable aussi d'imposer de la discipline aux autres. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je pense que ce que Gérard dit, quelque part, a raison, mais au-delà de tout, moi je dis l'unité qui doit prévoir là autour des émergés du Togo, il va falloir en plus l'affaire, la construire. Mais oui, les Ivoiriens, les anciens. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, aujourd'hui au Togo, mais les anciens joueurs ne se parlent pas. Il y a des anciens joueurs qui ne se parlent pas. Regardez, des gens jouent. Mais je dis, non, gros, sur le cœur, je parle du cas Agassa aussi, par exemple. Oui. Mais regardez tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous croyez que Agassa sera dans la tribune, va voir l'équipe nationale jouer. Bon, il va se faire. Dans les quoi. Vous comprenez? Des gens comme Yvon Bédaré, vous voyez des gens comme Emmanuel Adebayor, vous allez voir des gens aujourd'hui comme Serge Achacle. Oui, mais c'est des gens qui ne savent pas. Mais c'est pas normal. Vous ne pouvez pas être dans une même génération et ne pas en parler. Ça ne peut pas construire le football. Cette histoire de division des joueurs ne peut être à l'image des dirigeants du football. C'est pas normal. Les acteurs eux-mêmes sont divisés. Il y a les présidents de club qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui sont même des supporters qui ne se parlent pas. Les joueurs ne se parlent pas. Mais vous voulez construire le football dans ça? On a fait une commission d'élection dans la même commission. Oui, les gens ne se parlent pas. Oui, mais lorsqu'on ne se parle pas, ils ne parlent même pas. Ça, c'est que vous posez une question, vous allez voir, ils ne parlent plus. J'allais dire que je ne vois pas faire. Oui. Donc ça, vous voulez construire le football? Non, jamais. Et donc ça, on doit travailler. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème. C'est beaucoup plus coriace. Le maire peut rouler sur les gazons de mon frère Gérard Wessin, du stade de Guéguer. Ça ne va rien résoudre, Eric. Ça ne va. C'est une question de volonté. Mais avec tout ce que nous le plus profond, les gens ont le gros sur le cœur. Mais vous voyez des joueurs, mais vous avez vu la Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu l'équipe du Nigeria. Vous avez vu les Monco, les Tieti au Kocha. Mais tous ceux qui étaient là, vous avez vu les Camerounais. Oui. Mais les gens n'avaient pas ça. Mais le Tobago, c'est l'Asie du Cameroun. Les Rouennais chez nous. On a vu tout le monde était là. Mais aujourd'hui, au Togo, quand on va voir l'équipe nationale tout à l'heure, on dit qu'on a un match contre tel pays, par exemple, on va voir. Mais des joueurs ne peuvent pas s'en sortir. Je crois que même la dernière fois, il était dans la tribune quelque part. Oui, mais les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour regarder un match de football du Togo, de l'équipe nationale. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils ne se parlent pas. Parce que tel a dit tel a ceci, parce que l'autre il a été viré, bon il me dit que bon on va pas le virer, bon voilà, moi je ne veux pas. Mais regardez, moi j'ai cité des exemples aussi, je prends le cas Agassa. Mais aujourd'hui on ne peut pas voir le Togo jouer avec le Golo, on va dire Agassa de s'asseoir, il va regarder. Mais regardez le match, vous prenez le cas Serge Akako, et Emmanuel Adebayor, on leur dit de s'asseoir côte à côte pour regarder le match, ils ne font jamais s'asseoir ensemble. Mais il y a des cas comme ça, les gens regardent et ils disent rien. Vous allez jouer le foot comment? Dans la division? Et les gars, merci beaucoup. C'est la dernière fois, je pense que vous avez lu le communiqué de la ministre des Sports qui a suspendu, si vous voulez, le championnat D1-D2 pour réunir certains acteurs, ne serait-ce que pour plancher sur le problème évoqué par nos amis de Sabat. Oui, est-ce que ce n'est pas déjà un début là, parce qu'il va falloir conseiller ce football lui-même? Oui, je crois qu'il le faut. Il le faut. Puisque si vous avez écouté bien ceux de Sabat, c'est qu'ils étaient déterminés. Oui. Qui dit, ben moi, à être oublié sur la carte nationale du sport. Et ça, d'abord, c'est parce qu'il y a un match de mercredi, et il y a, je crois, Fouan, qui n'a pas joué. Ah oui, qui attendait en fait son adversaire chez lui? Ah oui, puis ils ont dit qu'ils vont jouer. Oui, puis c'est vrai ça. Oui, et aussi, ils ont fait le constat que l'adversaire n'est pas venu. L'adversaire n'est pas venu. J'ai quand même lu une communiqué de la fédération qui demandait, qui disait en fait que l'auteur n'était pas homologué. Oui, bien sûr. Et dans la lettre, on parle d'injonctions de la ligue et tout ça. Je crois que le problème est profond, puisque déjà même le jour de l'élection, la question avait été posée donc au secrétaire général de la fédération, dans la salle de jour de l'élection. Il parlait déjà de jalousie. Oui. Il parlait de jalousie. C'est le secrétaire président, là, je crois, à gros rebondissait, lui. Non, lui, il disait que bon, le football,
J'ai son contrôle. Lui, le secrétaire de parler, il y a des jalousies. Donc ça veut dire que déjà, il y a un qui sont roches. Voilà. Le jour de ce que tu es non. Donc ça veut dire que tout cela est. Je ne dis pas d'être à parler, mais il faudrait quand même mettre tous ces acteurs-là, comme la ministre a commencé à le faire. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir, discuter, regarder sur l'aide de la vue. Et se dire des vérités. Ou s'il faudrait que les autres s'insèrent. Oui, ils sont là, on discute, mais c'est pas sincère. Je ne dis pas qu'il faut aller donc à côté de normalisation, mais non, je ne le dis pas. Mais il faudrait quand même un truc de ce genre-là pour aider les acteurs donc à mieux s'aider, pour que nos parents puissent rouler avec ces séries. Le problème du parce que le problème du temps, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Vous pouvez pas revenir à la personne ici qui m'ont regardé dans la même direction. Mais vous avez regardé la revendication de la Ligue des Sables. Mais lorsque vous voyez tout cela, quand les gens disent qu'ils sont marginalisés, quand les gens ont privilégié, donc les gens le suivent, vous voyez un peu. Donc ça veut dire que c'est profond. Mais qui peut le faire, c'est le gouvernement. Mais tant que les gouvernants, eux, c'est juste leur priorité, c'est de rester définitivement et puis on s'en fout du football. Mais on sera là. Donc, je voudrais que peut-être en 2025, on va regarder. Alors, il y a un commentaire qui nous dit même en Côte d'Ivoire, certains joueurs qui ont eu à jouer avec Drogba ne lui parlent pas. Et pire, se sont liés contre lui. C'est juste un problème de politique sportive au Togo. On manque de vision ici, donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit pour l'union des joueurs, les journalistes peuvent déjà initier des rencontres comme Gala des anciens Anciennes Gloires avec des prix à chacun de pouvoir rendre service rendu à la nation à un moment donné. Les journalistes aussi du pas. Si on va se mettre aussi à faire ça. Il y a un professeur qui nous dit j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'équipe du colonel Akou via la FTF. Beaucoup de médiocres, c'est triste. Avec ces gens-là, le football togolais n'ira nulle part. On dit merci à Elon à 10 secondes. Je ne sais pas trop. Un autre auditeur qui nous dit ceci commence, je crois, il dit attendez, voilà, je crois que c'est comme ça qu'il dit écoutez, Eric, ce jeune entraîneur, parlant de Mesfaye, est comptable de tout ce que Gassé faisait. Il était tout de même la joie de ce dernier. Il faut reconnaître que même si Gassé était gardé, le résultat serait pareil. C'est l'effet psychologique, c'est le mental qui a joué après les 4-0. La fureur de vaincre est née de ce match perdu contre la Guinée équatoriale. Tout le groupe a utilisé, Faye a été mis sur les yeux de Gassé. C'est lui qui avait retenu tout ce monde. On a ramené personne d'ailleurs. Maintenant, travailler avec un entraîneur local est un autre débat. Sinon, le Cameroun a un entraîneur local qui départ à la hauteur de sa tâche. C'est toute une réflexion qu'il faut mener à propos de ce sujet-là. Alors, on voit que le débat n'est pas. On n'est pas au courant. C'est oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je peux approcher 1, 2, 3, 4 messages, il y en a plein tellement ici. Tout un qui nous dit Gérard a raison sur le comportement de l'élève dehors. Vous dites ça sur les réseaux sociaux, les gens vont vous insulter. Daré et Vincent Compagnie ont eu le diplôme d'entraîneur le même jour. Vincent Compagnie dirige aujourd'hui Berlin. Bon, il faut dire que Vincent Compagnie dirigeait déjà Berlin avant d'avoir son diplôme. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Bon, voilà, faut s'informer. Un autre côté qui me dit. Oui, derrière, il a quitté. Voilà. Comme nos dirigeants aiment s'accrocher au pouvoir, qu'ils sachent qu'une finale gagnée peut valoir des mandats. C'est pas ce qu'il veut dire. Monsieur, merci. On passe à notre sujet. Moi, si vous le permettez, moi, je pense que le problème est un problème de gouvernement. Je savais que vous avez peur dans sa globalité. C'est-à-dire que quand vous prenez les partis politiques, pourquoi les Togolais ne s'entendent jamais au sein du même parti politique? Le CAR, l'UFC, la C. Est-ce que ce n'est pas aussi l'expression d'une certaine vitalité politique? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que quand il n'y a pas, on ne peut pas avoir la cohésion pour un progrès social, alors la nation est en danger. Et quand vous voyez le Togo, dans tous ces compartiments, c'est pareil, quoi. Les syndicats, les partis politiques, la société civile et le sport, partout, c'est la discorde. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Ça veut dire que et ceux qui gouvernent le pays. Ça veut dire que c'est un style de gouvernance qui génère le problème. Donc il faut changer forcément de style, je ne dis pas de personne, il faut changer de style de gouvernement, mais pour que les problèmes ne soient plus générés, c'est tout. Mais tant que l'on va générer des problèmes, on dit au peuple de régler
on sera toujours en train de faire des dialogues. Ça veut dire que déjà, les dialogues, ça veut dire que déjà, c'est ici qu'il y a crise. Alors, c'est pas normal qu'il y ait crise dans un pays. Comme pays évolue de crise en crise. Ça veut dire que là, votre nature à vous, c'est la crise. Et comme disait l'auditeur, c'est le président de la République qui devrait appeler les anciens joueurs avec une discussion franche. Ce sont ces anciens qui ont sauvé 2005-2006. Et on se rappelle exactement de cette époque-là. Ils se sont attendus pour éteindre les étoiles. C'est ça notre politique de développement. Pourquoi écarter Adebayor? Il y a d'autres que lui, même Adebayor, est plus populaire que le président de la République. Personne ne peut cacher le soleil avec la main, dit donc ce auditeur. Quel que soit l'entraîneur ou l'organisation, le football au Togo demeurera toujours ainsi. Ah non, il faut que ça évolue. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question avant de parler politique véritablement. Ce parti pour plus d'indépendance du Togo, on sait qu'aujourd'hui nous sommes le 12 février, bientôt le 27 avril, on va encore commencer par chanter indépendance, tcha-tcha, tout ça. Et comment dépendre moins des autres et un peu plus de nous aujourd'hui? Et quand on peut dire, on peut penser à l'agriculture, à l'énergie, à l'industrie, il y a beaucoup d'éléments. Sylvestre. Peut-être que tu vas me répéter, c'est une volonté, la volonté politique. Il faut toujours le dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller donc à la République des Nations Unies et dire qui êtes-vous? On en est fatigué de le paternalisme. Et après, vous êtes encore les premiers pour réunir cela parce que vous avez peu de moyens. Pour les élections. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et souvent, on dit qu'il y a toujours des choses à faire. Vous savez, nous avons, vous circulez un peu de nouveau au nord du pays. Nous avons au moins des terres. Il faut mettre tout cela à profit. Je cite le Burkina, un pays en travail. Mais c'est ce sont quand même, c'est le Burkina qui nous donne tout le monde des droits. Ça y est. En travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez à la main. Mais ils ont su développer l'agriculture par l'irrigation. Ici, au 19e siècle ou au 21e siècle, on attend encore qu'il pleuve. C'est-à-dire qu'on fait des prévisions, on attend qu'il pleuve. Alors, lorsque vous êtes dans ce genre de schéma, vous ne pouvez pas évoluer au niveau de l'agriculture. J'ai vu, on parle de arbres et tout ça, mais tout ce que tout cela a donné, vous ne savez rien. C'est-à-dire qu'il faut une volonté, il faut commencer, il faut implémenter quelque chose. Mais si nous ne voulons pas. Au niveau donc des institutions coutonnières, on dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie, si bien qu'on n'a pas. Mais comment est-ce qu'on peut parler de volonté politique? On a vu le président il n'y a pas longtemps, qui s'est impliqué par rapport à l'agriculture, par exemple. Je sais pas. Ça va au sommet de l'État, on réfléchit. Il s'est impliqué. Non, il s'est impliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était juste. Il a fait un peu de show. Moi, je considère ça comme un show. Il est allé à Cara. Et puis lui-même, il a dirigé la séance. Et ça s'est arrêté là. Puis celui-là, il a pris le programme, il dit, bon, voilà pour parler, qu'est-ce que vous avez dit? Vous savez, après, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Puisque après, il devait décider des actes de vertu. Tout ce qu'on a vu la dernière fois, tout ce qu'on a fait, le forum et tout ça, ben, c'est ça ce qu'on disait avant. Il y avait aussi le forum des paysans et tout ça. Hein, qu'on a même organisé pendant plus de 10 ans, avant donc le dernier. Donc ça veut dire qu'on voit de projet à projet. Mais après, on ne fait pas donc le bilan pour voir, bon, on a fini tel projet, qu'est-ce que ça a donné maintenant, quelles sont donc les limites, quelles sont donc les réserves. Quand on parle de ces problèmes, on dépend de la situation. On toujours parce qu'on va donc de projet en projet avec, c'est ça le Togo. C'est SCAP 1, BUDC et SCAP 2, on a tellement de projets. Mais après, on se questionne. Finalement, bon, on a fait ça, on a fini. Qu'est-ce que ça a donné? On était sur le PND, plan national de développement. Et après, on a balancé sur le feu de route gouvernemental 2025. Le PND, ben, est-ce qu'ils ont eu à faire le bilan? Mais au cas même, il y a eu des actions, des projets qui ont été exécutés. Qu'est-ce qu'on a fait des un bilan? Non. Après, on a passé à la feu de route gouvernemental. Après les élections, on passera à autre chose. C'est cela, c'est-à-dire qu'on est dans le. C'est-à-dire que. C'est toute une panne de projets. On ne vit que de projets, quoi. C'est en réalité de l'enfumage. C'est cela. C'est de l'enfumage. On va d'enfumage en enfumage. Et après. Non, c'est de l'enfumage en réalité. Puisque le PND en soi, la manière dont ce projet est conçu, tout le monde sait que ça ne pourra pas marcher.
Parce que pour pouvoir faire un projet, et c'est-à-dire que la grosse partie, la grande partie doit venir de l'extérieur. Mais eux, ils sont là, ils sont là juste pour aider. Et après, on dit, il y a un pourcentage d'Avignon, on dit, c'est-à-dire que sur le plan national, on devait avoir donc ce pourcentage de plan national. Or, nous connaissons donc nos réalités ici. Il n'y a même pas un seul capitaine d'industrie actuellement au Togo, il n'y a pas. Et ça, c'est également une volonté politique, parce que si on veut, on peut. C'est le chef d'État qui vient et dit, bon, d'accord, sur le quinquennat, je ferai en sorte que au moins, le chef d'État lui-même, il a dit la dernière fois, que maintenant, quand on parle d'agriculture, il veut que quand on parle de milliardaires, c'est ce qu'il a dit. Quand on parle de milliardaires, je veux aussi qu'on puisse citer des milliardaires au niveau d'un côté de l'agriculteur. Mais après. Donc, en réalité, il faut une vision pour le pays. Il faut un projet, il faut une vision. Mais j'ai l'impression que le chef de l'État n'a pas une vision. C'est-à-dire qu'on ne sait pas là où on va. Puisque lui-même, il a dit, je ne suis pas un guide qui fait ce cap. Il a dit la dernière fois. Mais il s'est expliqué là-dessus. Mais il a dit quoi? Non, c'est grave. Moi, j'ai écouté ça. Il a dit, waouh, c'est choquant, c'est scandaleux. Quand le chef de l'État, c'est-à-dire que celui à qui vous avez confié la gouvernance, la gestion du pays, donc c'est lui qui a quand même cette orientation, c'est lui qui ferait cette orientation donc de la vie donc, du pays. C'est lui qui sait là où on va. Mais quand le maire vient nous dire que je ne suis pas un guide, moi je ne suis pas un guide qui fait ce cadre, là je me dis, mais pourquoi il est guide? C'est le guide qui... Bon, prenons juste la question de tourisme, quand vous avez un guide, c'est lui qui vous dit, allons ici, je vais vous montrer. Mais le nôtre dit, moi je ne suis pas un guide qui fait ce cadre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Alors, la question fondamentale aujourd'hui, c'est comment se battre pour plus d'indépendance de notre pays, le Togo. Vous voyez, là, on continue toujours pas à porter, à follow, beaucoup. Et ici, les riches que nous avons ici, qui sont produits localement, sont plus chers que ceux qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est beaucoup de questions quand même. Est-ce qu'il ne faut pas dépendre moins des autres pour être véritablement indépendant? C'est une question de construction économique, vous savez, c'est ce que vous dites là, c'est très important. En fait, tout pays repose en fait sur l'échelle de l'économie et des valeurs. Et aujourd'hui, on a constaté que chez nous, on est très méfiant. La méfiance et la crise de confiance entre Togolais, en fait, justement, il y a des gens qui font des affaires au Togo, qui sont quand même dans des activités, qui sont quand même reconnues, mais vous ne pouvez pas les citer. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas les citer, ils ne veulent même pas être vus. Ils ne veulent pas être vus. Pourquoi vous voulez qu'on puisse les mettre à la lumière? Pourquoi? Mais parce que justement, on ne les célèbre pas ici. Vous comprenez? Regardez, aujourd'hui sur la place, on a combien? On n'a célèbre pas la réussite togolaise, c'est ça? Oui, mais on a 4 s'y montrer au Togo. Oui, 4 maintenant, actuellement, on a 4. Mais aujourd'hui, vous êtes envahi, ou le Togo est envahi par une marque de ciment de l'extérieur. Oui. Qui arrive chaque week-end et les gens raffolent. Il y en a même qui viennent du Ghana, oui. Vous comprenez, qui sont introduits sur le marché togolais. Mais vous ne pouvez pas exporter le ciment togolais vers le pays. Le ciment togolais ne peut pas franchir la frontière du Nigeria. C'est interdit. Oui. Ça fait partie des produits interdits par le Nigeria. Le riz nigérien, oui, vous en consommez chez nous 80%, c'est le Nigérien. Qui nourrit le Nigérien. C'est-à-dire que le Nigérien protège son marché, ne veut pas avoir du riz chinois, du riz japonais, du riz venu de n'importe quelle destination sur son marché, mais protège le Nigérien avec le riz qu'il produit localement. Et donc, tant que vous allez prendre ces mesures-là pour protéger votre marché, mais ce que vous ne refusez pas, c'est la réciprocité. Le principe de réciprocité voudrait quoi? Si vous décrétez certains produits, parce que le Nigérien a une liste de produits, qu'ils n'autorisent pas sur son territoire, parce qu'ils disent qu'eux-mêmes, ils en produisent. Mais tant que les autres pays ne vont pas appliquer la réciprocité de ces produits, ça va être compliqué. Oui, mais en même temps, il faut être capable, quand vous avez réalisé un produit, de rentrer chez vous, être capable, n'est-ce pas, de répondre à la demande. Il faut penser que les 4 montrés qui sont autour, on ne peut pas répondre à la demande. C'est aussi bon. Oui, mais attendez. Parce que c'est que pour le riz, on en produit toute l'année. Hein. Oui, mais parce que le riz, je ne peux pas garantir que le riz va répondre véritablement. Mais pour la volaille, le boulet local, on en voit. On en voit aujourd'hui, on sait qu'il y a le numéro 1. Juste moi, en tout cas, moi, j'ai une liste des 3 meilleurs producteurs de poulet
on sait qui ils sont. Mais le deuxième actuellement était premier. Mais l'actuel deuxième est devenu premier. Puisqu'entre-temps, la patronne de la première est décédée. Donc, vous voyez à peu près les sociétés dont je parle. Voilà. Donc, si vous avez ces gens qui produisent du poulet local, pourquoi vous ouvrez les mains pour qu'on puisse apporter du poulet et de l'international? Il y a pour le poisson aussi. Oui, mais protéger le marché. Mais si on ne veut pas dépendre des autres, il faut produire localement. Il faut permettre aux gens, le cacao togolais est sacré, médaille d'or la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le cacao togolais ici? C'est Choco Togo, oui. Oui, on connaît la réussite, le succès de Choco Togo. À part ça, le café togolais. Regardez tout ce qu'on fait avec le café togolais. Le togolais, en ce moment, c'est aujourd'hui le patron de l'Organisation mondiale du café. Mais aujourd'hui, on n'en fait rien. Mais je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis que non, quand on a un niveau de nom, on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas suffisamment protégé nos acteurs locaux, on ne veut pas. Je pense quand même qu'aussi, quelque part, il va falloir qu'on puisse aller au-delà du simple constat pour poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, personne, aucun acteur économique ne veut être mis en lumière. Personne ne veut être. Voilà, ne veut s'afficher dans la presse. Personne ne veut. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le Ghanéen, le Nigérien, l'Ivoirien, le Béninois. J'ai vu la semaine passée des articles circulés sur les réseaux, voilà, que les hommes d'affaires à Bénin et Burkinabé sont au Togo et ils prospèrent. Pourquoi est-ce que les autres, ça les dérange pas de s'afficher? Qui sont des capitaines d'industrie de Togo, vous nous renseignez qu'il y en a plein ici, mais ils se cachent. Je dis qu'il y en a, mais ils se cachent. Oui, mais tout le monde sait ici qu'ils se cachent. Je ne suis pas en train de mais je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici pourquoi c'est qu'au BDP a coulé avec 3 000 employés? Bah, il a coulé parce qu'il a coulé. Oui, mais non, mais quand on ne peut pas être à la tête d'une grande entreprise qui emploie 3 000 personnes et du jour au lendemain, fermer pas. Les bagages. Vous voulez dire que vous êtes décidé ailleurs? Non, je pose juste une question. Nous, Togolais, le jour où on aura la réponse, on va demander à ceux qui font des activités de parler, d'être à la lumière sur la lumière. Vous avez une réponse à ça? Quelqu'un qui emploie 3 000 employés, beau matin, disparaît. Il vend tout ce qu'il a. Il vend ses camions, ses voitures et tout. Il licencie 3 000 personnes. Une grande entreprise. Le fait de son local. Et la personne n'a jamais déclaré faillite. La société n'a jamais déclaré faillite. Quelle est la raison? Si vous avez une réponse, donnez la réponse. Qui ont évolué. Je pense que le mot tout dit, surtout dans la dernière phrase, la société n'a jamais déclaré faillite. Ça veut dire que voilà une société qui disparaît sans déposer son bilan. D'abord, ça là, c'est symptomatique. Ça veut dire que quand vous en arrivez à dissoudre une société, il faut déposer le bilan pour que éventuellement les sociétaires. Prennent au moins les dettes qui leur restent. Mais au Togo, on a vu le fer qui disparaît, il n'y a jamais eu de bilan. On a vu ce corps qui disparaît, c'est ça. Donc ça, c'est très symptomatique. Ça veut dire d'abord qu'il y a un problème de gouvernance. Moi, je crois que le problème togolais est d'abord un problème de liberté. Faut pas, ne vous moquez pas de moi quand je le dis, ne dites pas que c'est de la philosophie, non. Ça veut dire que moi, je suis convaincu que des êtres humains qui ne sont pas libres ne peuvent pas avoir la vitalité nécessaire pour créer de la richesse, pour créer une société prospère. Le Togo, de plus en plus, devient un pays où il y a la peur. Quand on discute aujourd'hui, ben, tout le monde rentre dans son pantalon. C'est le peuple entier qui rentre dans son pantalon. Et je n'ai pas peur de le dire parce que moi-même, j'ai peur de scribe. J'ai peur de la gendarmerie. J'ai peur de la justice parce que je sais qu'on peut utiliser cet instrument-là contre moi à tout moment parce qu'il suffira de qualifier quelque chose que j'ai dit, de crime et puis bon, moi je disparais. Donc il y a la peur sur la ville, ce qui fait que le Togolais ne prospère. La peur sur la ville. La deuxième chose, il y a le problème de formation. Regardez comment le Togolais est formé. Quand vous allez dans les centres où on dit école technique de ceci, vous ne voyez même pas, vous ne trouvez même pas être polonais, les tourneurs. Il dit qu'il est tourneur, mais il n'y a même pas de la machine pour apprendre comment on est tourneur. Quoi. Quand vous allez ici à l'université de Lomé, mais vous vous demandez, mais ils sont ingénieurs de quoi? Parce qu'il n'y a aucun matériel, il n'y a aucun équipement.
n'y a aucun équipement. Moi, il y a un autre qui a fait chez Boisca la licence génie civil. Sincèrement, hein, je vous le dis, il y a une preuve, c'est pas ça. C'est pas ça. Il a fini par s'expatrier. Et il me dit, je lui ai demandé, mais tu veux revenir? Il me dit, pas vraiment. Hein, parce que là, on se met tellement d'opportunités. De la formation est carrément meilleure. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation. Il y a un problème de cohésion sociale. Au tout coup, nous n'avons pas appris à diviser le peuple. Parce qu'on est parti du principe très simple que il faut diviser pour mieux régner. Nous avons appris ça dans le livre. Ah, ouais, c'est fini. On a pris ça pour ne pas parler de l'évangile. Et les conséquences, on ne les voit plus. Ça, c'est autre chose. La reddition de comptes. Personne n'aura jamais compte. Parce que je voulais vous interroger là-dessus. Personne n'aura jamais compte à qui que ce soit. Par exemple, c'est Ségou, dans le Paris. Qui a rendu compte à qui? Parce que c'est quand même un joyau national. Une grande société, par exemple, en France, citoyenne, Peugeot, tout ça là, c'est des joyaux nationaux. Et quand la société l'a disparu, il faut rendre compte au peuple. Voilà ce qui s'est arrivé. Et on a vu la France, que vous en parlez, quand ça veut tomber comme ça, l'État vient en société. Voilà, on recapitalise par la société, mais on les requête quand même pour que ça marche, parce qu'on sait que c'est des milliers d'employés là-bas. Mais qu'est-ce qu'ici, on a eu l'impression que ça a été encouragé, et c'est bien ce que je dis même, ça a été transformé en gendarmerie. C'est comme avec Aguida, on élevait des poussins quelque part, moi je suis allé pour voir après si les poussins ont grandi. J'ai vu plein de gendarmes dans le poulailler, quoi. Là, on le révèle à Poussin. Il y avait une unité de production de Poussin. À Bagida, voilà, à côté de Nouvelle Star. Mais voilà, allez-y, vous allez trouver des Poussins. Des traits de Poussin bien habillés. Ouais, moi, je pense que le pays n'a pas besoin de tout produire, sincèrement. Prenez l'Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça, là, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils importent tout. Mais ils ont développé des avantages comparatifs. Nous, on ne produit pas ça, on ne produit pas ça, mais nous avons développé une économie. Nous sommes dans l'immobilier, nous sommes une place d'investissement. Nous sommes, quand vous prenez un pays comme la Suisse, qu'est-ce que la Suisse produit? C'est vrai que c'est un pays fertile, tout, mais la Suisse est beaucoup plus de l'avantage comparatif, c'est les banques. Nous proposons, amener votre argent chez nous, nous allons le fructifier. Voler l'argent dans votre pays, venez le cacher chez nous. Ça, c'est une production, c'est une proposition aussi. Donc, le Togo n'a pas besoin de tout produire. Quand vous prenez un pays comme la France et beaucoup de pays dits développés, ben, ils dépendent tellement de lui, ils dépendent du pétrole des autres, ils n'en produisent pas, ils dépendent du coton, ils dépendent de tout, du cobalt, de tout, des autres, et pourtant ils sont développés. Donc moi, c'est ce sens-là qu'on donne au développement, comme quoi il faut pouvoir vivre en taxi, avoir tout, produire tout seul, et moi je n'y crois pas, je n'y crois pas tout. Moi j'invite seulement le Togo à donner une meilleure formation aux citoyens de ce pays, à nos enfants, et de leur laisser la liberté pour qu'on puisse créer de la richesse. Pour le moment, c'est plombé. Parce que ceux-là, justement, qu'on appelle les capitaines d'industrie qui se cachent, demandez-vous pourquoi ils se cachent. Quand vous leur demandez vraiment de... C'est la question là qu'elle va poser. Mais c'est une grande question. Parce que quand il va s'afficher, on va lui demander de retrouver sa fortune. Là, on a trouvé son capital. Ne pourront pas le dire. Parce qu'il y a des financements occultes. Parce que là où il a trouvé son capital, c'est pas clair du tout. Parce qu'il paye les impôts comme il le faut. Parce que. La façon dont le capitaine d'industrie s'enrichit, parfois. Alors, dans les affaires, ce n'est pas clair. Ça, il faut le dire. Mais ici, je crois que ce qui déteint juste là, c'est également la politique. C'est la politique. Si vous êtes obligé au Togo, bon, on verra. Et bon, si vous avez un neveu qui est dans une position et qu'on le voit faire, on s'en fera comme c'est toi qui les finances. Et on sait là où on va te coincer. Il y a également ce fait-là. Donc, il y a tellement de choses. Il faut que les gens s'enrichissent sur la politique pour s'enrichir et devenir. Et aussi, il faut qu'on ait de l'or. Mais on ne pouvait plus choisir de l'autre côté. Il voulait être tranquille. Je pense que mes confrères font un peu de la manière dont on rentre les affaires d'entrepreneurs. C'est un nombre d'affaires différent d'un entrepreneur. Il faut qu'on soit. On est à un niveau de compréhension classique. L'homme d'affaires, ça, tout le monde comprend. Mais l'entrepreneur, c'est. Il fait aussi d'affaires. Non, mais. Écoutez. Il fait du business, comme on dit. Non, mais. Je suis frère, je suis mort. Oui, non, mais. Il y a des gens qui ont des capitaux. Vous connaissez, c'était. Il y a des gens qui ont perdu un bar. Non, je dis, il y a des gens qui sont fortunés.
qui font les affaires, ou peut-être dans le travail fortuné, il est venu, il est rentré dedans, il continue. Mais il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui ont commencé à 0 à 100. Il y a des gens qui ont commencé à marcher avec combien? Avec peut-être 500 000 sur leur compte, avec un loc de 20 exécuteurs marché de 10 millions. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des prêts, ils ont fait ceci, ils ont arrondi les angles, ils ont fait cela, ils se sont construits eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont de bons chefs d'entreprise. Il y a plein d'exemples au Togo. Alors, je suis désolé. Il y a plein d'exemples au Togo. Il y a plein d'exemples au Togo. Non, là, ils demandent de planter des cassons. Non, je dis, non, ils sont des cassons pour 500 000. Ils s'en branchent le reste. Oui, ça, c'est. C'est des exemples que je vous ai. La mauvaise exécution de la carte en Europe, ça fait partie de l'Union de France. Toutes ces personnes font quand même du mauvais. Je ne dis pas tous. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de bon. Ceux qui aujourd'hui, il y a des Togolais qui se sont construits, qui ont fait de bons trucs, qui ont réussi, mais qui se cachent. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, vous je reviens à ces cours. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un ouvrage pour regarder la route là qui passe devant oui, il y a le côté, pas les pédos là, de vous circuler jusqu'à là. Est-ce que c'est mal construit de vos amants? Peut-être la retenue d'eau elle ne tient pas, on peut le dire aussi. Il y a plein qui y a beaucoup. Mais est-ce que la route là, quelque part, bon, quand on regarde, parce qu'on a plein de routes dans le menu, il y a des routes par exemple qui ont connu d'autres sociétés qui sont mal construites, il faut le dire. Mais est-ce que la route là-bas, et ça c'est une initiative d'un Togolais, une initiative locale? C'est une bonne route. On circule, on va, on revient, voilà, c'est une bonne route. Mais est-ce que les fonds qui ont été destinés à ça, je ne vais pas rentrer dans le débat des fonds, mais c'est quand même quelque chose qui a été exécuté. Là, on parle de quelqu'un qui a bien fait son travail. D'accord? Mais c'est des choses qui aujourd'hui sont là, ils font quand même le travail. Mais, et quand vous dites, ils disent, ils ne veulent pas parler, on ne veut pas qu'on parle, on ne veut pas qu'on fasse ceci, on ne veut pas, on ne veut pas de problème. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est de ça qu'on va parler. Oui, mais pourquoi c'est que ce soit affiché? Pourquoi j'ai donné l'exemple de Seco? Mais une société qui travaille bien, qui emploie 3000 personnes. Une société qui emploie 3000 personnes, c'est grand. Et puis un matin, comme ça, on commence à vendre 2 camions, 3 camions, 5 camions, 6 camions, et puis le site disparaît. Non, mais le site ne disparaît pas, c'est devenu une chose à faire. Il faut préciser. Mais pour ça, il faut préciser aussi. Il ne faut pas continuer à construire des points aériens quand tout le monde sait que les points aériens, la personne ne les utilise. On a commencé à aller passer tout. On n'a vu jamais personne monter de ce qui travaille dans la vente. Ah, mais on n'a pas utilisé les points aériens. Les points aériens, c'est comme ça. Les points aériens, ça fonctionne déjà. Les points aériens, c'est comme ça. Les points aériens, c'est comme ça. Monsieur, tu voulais pas demander de construire à l'université. On dit, mais ça ne sert à rien, mais les gens continuent à construire. Mais pourquoi? C'est du business. Mais c'est ça le tout. Monsieur, je voulais vous dire rapidement sur la politique avant de la parole du pour vous dire. Il y a cette histoire aussi de détournement énorme à la SAFER et à l'INAM, puisqu'il semble que l'inspection générale d'État. Fait des recommandations de remboursement express où on se pose beaucoup de questions. Demain, je vais interroger mes confrères qui seront en studio. Vous voulez nous avoir la présentation? Non, écoutez, moi, je n'ai pas confiné sur cette question. On aura l'occasion de revenir donc, sur ce débat-là. Mais on va parler politique, juste un élément, puisque nous comptons déjà la date du scrutin. C'est le 13 avril prochain. Et pourtant, le gouvernement avait dit que ces élections auront lieu avant la fête du premier trimestre. Oui, tu dis donc que c'est en fait une date indicative. Mais l'essentiel, c'est que nous irons aux élections dans le 13 avril. Moi, je voulais un peu revenir, enfin, si vous le permettez, un peu sur la question donc, de la caution. Oui, et du débat électoral. Pour la question de la caution, je crois que le gouvernement, ou du moins oui, le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a fixé la question, je crois que le gouvernement est dans une logique d'exclu. C'était parce que c'est pas chiant. D'exclusion. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque vous prenez donc les élections des États-Unis de 2013, la caution était de 100 000 en 2013. En 2018, l'opposition, c'est-à-dire que d'abord, celle que les Togolais estiment. C'est vous qui avez décidé si telle est la bonne ou très mauvaise.
Non, l'opposition, pas la vraie. Je ne parle pas de, du pas de la vraie, en fait. Je parle de la vraie. Qui décide si c'est vrai ou faux? Bon, c'est relatif aussi. Donc, l'opposition, quand l'opposition avait donc annoncé le boycott, la caution, cette caution est amenée à 100 000 francs. C'est-à-dire qu'en 2013, c'était à 200 000. En 2018, c'est les 5 années plus tard, on a ramené la caution à 100 000 francs. Aujourd'hui, de 100 000 on monte la caution à 500 000 francs. Parce que, entre temps, ceux qui avaient annoncé en 2018 de boycott ont décidé d'aller à ces élections législatives. Ah, c'est comme ça que vous oui, puisque en 2013, ils y étaient, c'était 200 000. En 2018, ils ont annoncé un boycott. Et donc, ça a permis donc, à tous ceux qui sont parlement aujourd'hui, bon, il y a tellement de noms, que des obligés au niveau donc, du bas peuple, je ne vais pas revenir sur ça, parce que c'est un pas de députés d'ailleurs, de députés nommés, de députés de hier. Bon, moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous en avez non, je dis, je donne ce métier, quoi, pour rappeler ce que je veux. Donc aujourd'hui, on a le cas en 2018, on a mis ça à 100 000. Et maintenant que ceux qui étaient en 2013, qui veulent revenir, on monte ça de 100 000 à 500 000. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Est-ce que ce n'est pas exagéré? De 100 000 francs à 500 000. Parce qu'entre temps, eux aussi, ils ont la latitude au gouvernement de fixer les choses. De faire oui, puisque c'est eux qui donnent donc l'ouverture, la possibilité, cette aptitude au gouvernement de décider. Donc ils ont décidé. Et il en a de même pour le découpage électoral. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, là où nous sommes, personne, même au sein de l'opposition, personne ne peut nous dire sur quels critères on se fonde pour nous proposer donc, un découpage électoral. Personne. J'ai vu un peu le communiqué, le télécommuniqué de la DNP qui dit que le gouvernement, il dit, le gouvernement a déclaré qu'ils avaient utilisé donc les critères géographiques, démographiques et spécifiques. Ma question est de savoir, qu'est-ce qu'on met dans spécifique? Est-ce que c'est des faits historiques? Est-ce que c'est des faits sociopolitiques? Est-ce que c'est des faits sociologiques? Est-ce que c'est des faits anthropologiques? Personne ne sait ce qu'on met dans spécifique. Maintenant, on sort le découpage et beaucoup disent non, et il y a telle donc, région qui est plus peuplée que telle là, mais ils ont eu moins de sièges que les autres. Parce qu'à un moment donné, vous avez laissé les gens décider du jeu. C'est-à-dire que l'adversaire a quoi la vie. Vous leur donnez donc la latitude de tout décider. Et ils ont décidé, et là aujourd'hui vous criez. Voyez-vous, personne ne peut nous dire, eux tous, aucun ne peut nous dire sur quel côté cela est fait. Donc, à un moment donné, pour eux-mêmes, ils disent bon, on va les décourager, mais ils iront donc passer ces élections. Donc, on verra. Si la question de bien, on va nous dire pleurnichant. Si la question de coupage et de l'attribution des sièges, il y a beaucoup de commentaires depuis, on a beaucoup de choses. Et quand on parle, par exemple, c'est ce que beaucoup ont relevé par rapport aux répartitions. Le grand Lomé, qui compose donc la concession électorale de Golfe et à Bonivet, avec une superficie de 425 km et une population de 2 188 habitants, ben, on a 14 députés. Et quand on prend par exemple, attendez, je vais voir, quand on prend les plateaux avec une superficie de 16 975 km, une population de 1 600 on a 31 sièges. Il y a beaucoup comme ça. Et beaucoup se posent la question. Il se passe quoi là? En fait, la région des plateaux, c'est la plus grande région du pays. On est d'accord. Grande en termes de superficie. En termes de superficie. Mais dans la population électorale, il faut voir. Et c'est vrai que c'est Lomé qui a une superficie. Mais de toutes les façons, la répartition des sièges ne peut pas s'arrêter juste à une annonce sur les réseaux sociaux. Il faut quand même que le gouvernement ou la CENI explique la procédure qui a conduit à répartir ces sièges-là. Et il faut évidemment interpeller le cas qui avait proposé ces 17 députés pour voir sur quelle base il proposait les 17 députés. C'est en fonction de combien les 17 communes. Oui, ça, ce n'est pas systématique. On ne peut pas juste prendre un député ou un siège sur une base commune. Parce qu'on n'a pas une circonscription électorale par commune. Et une commune ne fait pas une circonscription électorale. Bien sûr. Donc, ce n'est pas. D'ailleurs, le gouvernement, ce n'est pas la mission de la commune. Voilà, ils ont demandé la commune. Il serait souhaitable que le gouvernement puisse communiquer pour expliquer où soit, à défaut du ministre de l'administration territoriale qui conduit le processus pour le côté politique, que la CENI puisse expliquer
véritablement ce qui a conduit à cette répartition de sièges, à cette attribution, que le gouvernement dise davantage. Parce que là, si les gens ne comprennent pas, il va falloir qu'on puisse leur donner les clés de répartition. Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui font ces élections, mais les gouvernés. Et les populations ont besoin de savoir sur quelle base on a attribué ces sièges. Parce qu'il y a des disparités. Il y a des disparités que les gens doivent comprendre. Quand on dit démographie, critères démographiques, on comprend. Quand on dit critères géographiques, on comprend. Mais quand on dit spécifique, on ne comprend pas. Et là, il va falloir qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on met dans le critère spécifique. Et est-ce que c'est relatif, comme Sylvestre l'a dit, est-ce que c'est relatif à l'histoire politique de la région, du pays? Est-ce que. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement doit pouvoir expliquer aux populations par rapport à ça. Il faut des explications sur la question que vous avez. Oui, la question n'a pas marché là. Écoutez, auditeurs après. Oui, mais la question, j'ai trouvé ça bizarre parce que on est dans un contexte économique difficile, on est dans une situation financière délicate, on le dit partout, surtout après Covid, avec tout ce qui se passe, mais passer de 100 à 500 000 francs comme caution. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Oui, parce que c'est 100%. Oui, parce que récemment, on était à 200 000, oui. Législative de 2018. Et, 2013, 2018, 100 000, et on est à 500 000, alors qu'on a augmenté le nombre de sièges. Je pense que c'est l'une des questions que le gouvernement devrait. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas besoin par là d'argent? Bon, je crois que, comme je l'ai dit, je crois qu'ils sont mieux placés pour répondre à la question. Le fait que voilà, 500 000 par candidat pour l'initiative fois 113. Oui, mais on n'a pas 113, mais parce que pour les solidaires, mais on a constaté lors des dernières élections législatives de 2018 que les gens ne se sont pas beaucoup inspirés. Il y avait des partis qui cherchaient des candidats. Ils n'en trouvaient même pas dans la circonscription. Parce que si tout est dans un territoire, votre parti fait comme être militant, mais des gens avaient des circonscriptions, des zones dans lesquelles il n'y avait aucun candidat. Donc des partis étaient obligés de prendre des frères et des sœurs de personnes pour les mettre comme candidats sur une liste histoire de pouvoir constituer la dynamique. Donc, est-ce que véritablement, avec ceci, si on vous dit 500 000, vous allez pouvoir trouver des gens qui vont être candidats dans telle zone? Comme voilà. Sur un canal boiteux, c'est pas parce que c'est pas. Oui, oui, c'est là avec le meilleur aussi, un président. Non, 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 oui, j'ai même souci. Comment on vit sur les canaux boiteux? Il n'y a pas de course de canards. En tout cas, vous l'avez bien rappelé, ce n'est pas 500 000 par liste, hein, c'est 500 000 par personne. Oui. Oui. Alors, mais par exemple, il peut y avoir quoi? Ils sont 7 sur la liste, sur Google de liste. Ils sont 7. C'est-à-dire que, ouais, 8 fois 2. Oui. Dans la chose du plaire, dans un 500 000 fois 16, c'est beaucoup. Hein. Ce n'est pas parce que l'État a besoin d'argent que tu as ruiné les citoyens. Ce n'est pas parce que l'État a besoin d'argent que tu as fait fermer des affaires, des business, des entreprises. Parce que quand on vous pompe de l'argent comme ça, ben, vous risquez de fermer ou bien vos activités risquent d'être ralenties. Moi, ce que moi je pense, normalement, ce que moi j'ai vu ailleurs, normalement, pour des choses comme les élections, vous ne sentez même pas les partis politiques. L'administration est là. Vous croyez que quand on organise les élections en Allemagne, c'est Merkel qui dit comment on doit faire ceci, on doit faire cela. Le truc était là avant Merkel, l'administration. Comment on gère ce pays? Comment on recense les gens? Par qui on peut donner quelle voix selon l'intensité de la population? Les choses étaient là avant Merkel, les choses seront là et à partir. C'est comme ça l'administration fonctionne. Et l'administration, là, les gens doivent pouvoir faire confiance à l'administration. Mais au Togo, tout a été perverti. C'est-à-dire qu'on a confondu l'administration et le gouvernement. Ce qui n'a jamais été la même chose. L'État, l'administration et le gouvernement, l'administration est plus proche du gouvernement. Mais l'État n'a jamais été le gouvernement. L'État est là. Le gouvernement passe. Et bien, l'État est là dans ce truc-là. Et dès que nous avons eu le génie de mélanger d'abord sur le terrain ces concepts-là et de mélanger ces concepts-là dans les têtes des citoyens, alors l'embrouille, c'est évident. Moi, je dis que le Togo évolue par embrouille, mais par crise. C'est-à-dire qu'on a bêti un peu les gens. J'ai généré contre le gouvernement, mais je dis que depuis plusieurs années, on trouve que la bonne gouvernance, c'est d'embrouiller les gens, mélanger les esprits, et puis on évolue. Mais il n'y a rien de pire qu'un peuple qui est bête. C'est-à-dire que quand vous avez un ami qui est bête, vous allez voir ce qu'il va vous faire un jour. Avant que vous ayez un ennemi intelligent, un ami qui est bête,
Vous connaissez la fable, je crois, c'est la fontaine. Lorsqu'il voulait chasser la mouche à son ami, lui a coupé la tête avec ses griffes, croyant faire du bien, faire du mal. Donc, un peuple qui a bêti jusqu'à un certain point, il pose des gestes inconsidérés. D'accord. Monsieur, on a entamé notre temps. On va permettre de prendre deux auditeurs rapidement. Est-ce qu'on peut prendre des auditeurs en technicien? Très bien. Alors, ceux qui souhaitent nous appeler pour, n'est-ce pas, revenir sur les sujets qu'on a abordés, vous avez l'occasion de nous appeler sur le 92, c'est le seul numéro, ceux qui appellent mon numéro privé, là, attendez. C'est le 92 60 81 81. On prend le premier auditeur, allô?